incroyable mais vrai, Ben Affleck arbore un tatouage sur tout le dos. Et ce n'est pas du temporaire contrairement à ce qu'avait dit l'acteur en 2016 à Extra. Ben Affleck s'est donc bien fait tatouer un phénix géant et haut en couleur sur l'ensemble de son dos, les flammes de l'oiseau fantastique finissant sur le bas de sa hanche. Plus grand que à lire aussi, non, Jennifer Garner n'est pas en couple avec Josh Duhamel. Fan choqué, les fans de Ben Affleck, eux, n'approuvent pas du tout et il est rapidement devenu la risée du web. Le tatouage de Ben Affleck, c'est comme si Guy Fieri lui avait vomi dessus. La prochaine fois que vous êtes triste, souvenez-vous que vous n'êtes pas Ben Affleck, donc que vous n'avez, probablement, pas un tatouage aussi grand et moche et universellement ridicule dont vous avez nié l'existence en prétendant qu'il était temporaire et simplement pour un film alors que ça n'est clairement pas le cas. Le tatouage dans le dos de Ben Affleck est, et je le dis sans hyperbole, l'une des choses les plus amusantes que j'ai vues de toute ma vie. Mon Dieu, quel cadeau merveilleux il vient de nous faire à tous, vraiment une bonne journée pour être en vie grâce à ce tatouage débile.